Plus besoin de vendre votre maison ou votre voiture pour acheter un smartphone. On trouve des choses très bien désormais pour pas très cher. Regardez ce genre de smartphone. Il est 4G, il a un bon appareil photo, il a un écran plus que correct et ça coûte moins de 200 euros. Il y en a de plus en plus maintenant. Voici le top 5 des smartphones pas chers avec Stéphanie Molinier. En cinquième place de notre top 5 des smartphones 4G à moins de 200 euros, on trouve un tout nouvel entrant, le Smart 4.5 4G, qui est commercialisé sous la marque Carrefour. Alors, ce qui nous plaît sur cet appareil, c'est son bon niveau de performance, quels que soient les usages. Alors, on aime l'affichage, on aime l'endurance du mobile, mais aussi ses aptitudes photo, ce qui est assez rare à ce niveau de prix. Précisons qu'il est équipé d'un écran de 4,5 pouces, donc il sera particulièrement apprécié des amateurs de petits formats, discrets en poche. À la quatrième place, on découvre le Sosh Phone, qui est commercialisé par l'opérateur Sosh, comme son nom l'indique, et qui est conçu par ZTE. Alors, pour 149 euros, ce smartphone est équipé d'un grand écran HD de 5 pouces et c'est très rare à ce niveau de prix. Par ailleurs, l'appareil offre de belles performances, une belle endurance, bel affichage, bonne qualité photo. Donc, on peut le dire, cela reste, même s'il a été commercialisé il y a déjà un peu plus de 6 mois, une très belle affaire. À la troisième place de notre top, on trouve un modèle de grand constructeur. Il s'agit du Xperia E3 de Sony. Et ce qu'on apprécie plus particulièrement sur cet appareil, c'est son design, vraiment très balisé Sony, et des performances qui sont dans l'ensemble très correctes, notamment au niveau de l'endurance. Précisons qu'il s'agit d'un modèle petit format, puisque l'appareil est équipé d'un écran de 4,5 pouces. À la deuxième place du top, on trouve encore un modèle Sony. Il s'agit du Xperia M2, un modèle qui est équipé d'un grand écran de 4,8 pouces. Alors là encore, ce qui nous plaît sur l'appareil, c'est avant tout le design Sony et aussi l'excellente autonomie de cet appareil qui est presque du niveau d'une phablette. Une chose importante, il s'agit d'un modèle qui a été lancé avant l'été 2014, à un prix beaucoup plus élevé, mais bonne nouvelle, ce prix a baissé récemment, il est donc sous la barre des 200 euros aujourd'hui. Enfin, récemment testé par la rédaction, le Noura arrive en tête de notre top 5 des smartphones pas chers. Alors, il s'agit naturellement d'un modèle 4G et surtout, il se distingue par son très grand écran de 5,5 pouces. Il s'agit véritablement d'un format phablette. Cet appareil est conçu par Alcatel OneTouch et il est commercialisé sous la marque Orange. Et vraiment, ce qui nous a littéralement bluffé sur cet appareil, c'est l'autonomie puisqu'on a plus de 25 heures en appel et plus de 17 heures en surf 4G ainsi qu'en lecture vidéo. Du jamais vu à ce niveau de prix. Voilà pour ce top 5 des smartphones à moins de 200 euros. Il ne reste plus qu'à faire votre choix. La vidéo du jour, c'est chaque soir sur YouTube et dès 7h le matin sur 01nettv.com. Salut à tous.